nous t'a parlé d'élection, nous tourner sous élection en Haïti. Qui j'en ça organiser? En principe, la loi prévoit, constitution prévoit, constitution et élection en Haïti, son conseil électoral permanent qui organise ça. Mais dommage, ça fait longtemps, nous pas jamais un conseil électoral permanent, tout conseil électoral nous gagne aussi provisoire. Et en passant, comme tout dit nous, un seul conseil électoral provisoire qui est légal. Tout l'autre, y compris moi-même, c'est mon ancien conseil électoral, y compris pas maintenant, nous, tout est illégal. Mais nous avons une légitimité. Ça veut dire que nous avons un consensus politique qui est dégagé au niveau de la société. Nous sommes d'accord que comme nous avons un conseil électoral permanent, eh bien, nous avons un conseil électoral provisoire pour réaliser l'élection. Ça veut dire qu'il après nous faire un conseil électoral permanent. Ce que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas jamais été fait. Nous espérons que dans pas longtemps, on le Haïti a bénéficié de ça, au moins minimum ça, que nous avons un conseil électoral permanent pour organiser l'élection. Ensuite, lorsque l'élection en lui-même nous prend décision, nous connaissons l'échéance électorale, fond faire l'élection, qui j'en ça fait? D'abord, il y a plusieurs étapes dans l'organisation d'élection en Haïti. Première étape, là, c'est quatre légales là. Ça veut dire sous qui loi et qui prend régie compétition électorale. En principe, nous sommes supposés avoir une seule loi électorale que nous sommes capables d'amender à chaque fois. Mais dommage, ce n'est pas ça qui fait. À chaque fois que nous allons faire l'élection, nous faisons un décret électoral ou bien nous faisons une loi électorale pour l'élection. Donc nous espérons ça, tout soit une anomalie que nous espérons qu'on l'a corrigé. Lorsque nous faisons un cadre électoral, là, ça veut dire qu'il y a une loi qui va le faire, qui va le régir l'organisation d'élection. Hein? Ou bien un calendrier électoral là, qui est préparé. Conseil électoral là, bon calendrier qui prévoit toute étape processus électoral là, de commencement jusqu'à ce que il boucle, jusqu'à ce que il finit. Calendrier électoral là, il prévoit tout. Qui est appuyé? D'abord inscription parti politique yo, inscription groupement yo, inscription candidat yo. Ensuite, une période élaboration maquette bulletin, ça veut dire que qui j'en bulletin que population va voter, qui j'en li paraît, qui j'en présenter li. Ensuite, ou bien fabrication matériel, que ce soit matériel ça ou les matériels sensibles, qui c'est pratiquement bulletin, qui c'est procès verbal, feuille de comptage, et que ce soit matériel non sensible, qui par exemple c'est isoloir, côté que moun nan pral caché de là pour moun pa wè qui choix que l'a fait. Ensuite, ou bien période de campagne électorale qui définit. Pratiquement dans le calendrier électoral. Là. Généralement, son mois, nous toujours pas en Haïti pour campagne électorale réalisée. Ensuite, déroulement scrutin, jour vote là, là que nous tous nous déplacer et réaliser, nous poser à citoyens ça pour nous voter, pour nous choisir les gens que nous voulons diriger nous. Hein. Ensuite, nous gagnons une période généralement de un résultat préliminaire qui baille et une période de contestation pour qui estime que tu as une irrégularité, un problème quelconque. Et puis après, programmation résultat définitif. Yo, et une fois le résultat définitif fin programmé, le conseil électoral là, qui a organisé l'élection, il a acheminé tout nom, prénom, candidat qui est élu par exécutif là au fin de publication. Vraiment, il faut y en donner encore, sinon publier dans le journal officiel Le Moniteur. Et une fois que le processus a été bouclé, c'est pratiquement la prestation de serment des élus, côté que élu dans l'assemblée par eux, ils ont prêté serment. Il y a un élément pour finir et net, important pour nous soulever dans la question élection, on n'a pas parlé d'élection, c'est la question relative à l'équité dans les campagnes électorales. Je dis, dans toute démocratie, on pose des problèmes. Équité, ça veut dire que réalisons une campagne électorale côté que tout le monde a la même chance au départ. Ou qui doit riche ou riche, plein d'argent, plein bien, ou pas prendre tout ou mettre dans l'élection. Eh bien, la loi prévoit que bon quantité d'argent que tout chaque candidat capable de mettre dans la campagne électorale. Pour plusieurs raisons, hein, que peut-être on l'autre, non, l'autre série de formation, nous sommes capables de voir. Ensuite, quantité et modalité accès à la propagande audiovisuelle. Là. Ou il va avoir une chaîne de télévision, ou il va avoir une radio, pas, mais ça ne veut pas dire pour autant pour c'est tout le temps ce message pour passer pour toujours la donne. Équité, ça veut dire que eh bien, chaque candidat a le même temps d'antenne pour intervenir dans la presse. Et en plus, ou il doit son animateur de radio, de télé, mais pendant que le candidat n'est pas capable tout le temps ou dans la télé pour tout le temps, c'est oui à point. Là, on vient d'avoir un avantage en plus l'autre candidat adverse. En principe, équité en voulait que
si vous candidat pendant temps ça ou pas dans question radio télévision encore ou à respecter même temps d'antenne avec concurrent yo pour que nous tous nous gagnions même chance pour nous élus ou bien et bien pour nous et proposer programme nous à population. C'était vraiment un pile plaisir pour moi pour te partager le temps de formation ça avec nous. Nous pensons que nous avons des questions et que nous avons une occasion pour nous poser et que nous avons bon temps pour nous échanger ensemble. Non pas moi, c'est Ricardo Augustin. Moi, je dis merci de ce que nous avons pris le temps pour nous suivre formation ça. Merci un peu.